Gardien dans 11 minutes, joueur dans 18 minutes. Celle-là ? Ouais. Les 3 jours, elle est là. Ça, c'est les pneus pluie, ça. C'est les pneus pluie et ça, c'est les pneus neige. Vas-y. Vu qu'hier, tu courais bien, déjà, je pense que les pneus pluie, ils feront l'affaire. Vas-y, ça marche. Christopher, c'est comme ça que tu t'appelles, non ? Mon strap est trop serré, s'il te plaît. Ouais, un peu serré, s'il te plaît. Merci. C'est lui mon Ben à chaque fois. Moi ça me dérange pas toi en vrai. Mais toi t'es bizarre toi. Quoi ? T'es bizarre. Quoi ? Ouais, ta tête. Trop bizarre quand même. Putain, t'es chelou. Tu vois les caméras, il voit les caméras, il change. Je veux pas parler hein. En forme, monsieur Mendes ? Toujours, il faut hein. Ça vient reposer hier. Final hein. Troisième match hein. Match à tout temps. Ouais. Pour garder la première place. On pourra tout faire pour gagner aujourd'hui contre les Ukrainiens, c'est un match très difficile. On va le faire, on va le faire. C'est un game, mais bon. Je connais, on va tout donner. Hein. Faut faire le taf. Hein. Finir en beauté. Et rentrer bien au club. Non, mais c'est pareil, donc. Sur la veste comme ça? Non, j'ai pas. Ça, c'est l'évolution ultime, ça. C'est les Dracofeu, mon gars. Gros match, ouais, gros match aujourd'hui. Hein. On espère l'emporter. Hein. C'est une finale et voilà, on va tout donner sur le terrain comme d'habitude. Gros match. Merci. Le scénario du match, il faut qu'on le fasse vivre nous et on le subit pas. Ok les garçons, on subit évidemment rien. Là tout de suite on a un top match à jouer. Mais par contre on y est dans l'impact, dans l'investissement. Et je sais qu'on va faire un grand match. Je sais qu'on va faire un grand match. D'accord ? Donc on a ça en tête. Et on finit bien, mais j'ai envie de dire, c'est même pas la fin là. C'est le début avec un top plaisir à prendre et un grand match à faire. Ok les gars ? Allez, c'est parti. Attention, ils ont des grosses frappes aussi. Allons, bel enchaînement ! L'ouverture du score de l'Ukraine ! Il venait de frapper sans succès juste avant. Il se rattrape parfaitement. À Bakhchin, 1-0 pour l'Ukraine. J'allais le dire, c'est. Et en CPA, en coup de pied arrêté, les Ukrainiens sont très très forts. Allez, on revient. Attention, 3 contre 1. Attention, 3 contre 1. La défense est parfaite, peut-être une opportunité. Peut-être le 2-0. Oh, 2-0 pour l'Ukraine. L'action de grande classe conclue magnifiquement par Andriy Melnyk. Déjà buteur face à la Lituanie et face au Brésil. Il enchaîne face à l'équipe de France. Voilà, c'est 3 contre 1. Voilà. Bien joué, Nico. La passe cassée, il a sauté les lignes. Oh, c'est magnifique. Bien fait, Sid Bellage, Sid Bellage peut-être. Allez. But. Et le but, et le voilà. But de l'équipe de France, dit, voilà. On l'avait dit. L'équipe de France qui revient dans ce match. On l'avait dit, Steve, il peut nous apporter ça. C'est Steve Bendali. Il avait failli marquer l'action juste avant, et bien voilà.
Encore une fois, un Sid qui prend la profondeur, passe en retrait, un peu trop en retrait, mais Steve qui accompagne. Voilà, toujours accompagné. Ouais, c'est Pédiage qui va le frapper. Pédiage, la frappe et le troisième but ukrainien. Encore sur coup de pied arrêté. Ils sont redoutables dans ce secteur. Voilà, coup de pied arrêté, deuxième ballon, c'est ça. Regardez, on va revoir au ralenti. Voilà, ils cherchent la diagonale, c'est très difficile à défendre. Allez, allez, Zuba, c'est ça, encore. Deuxième ballon encore. Allez, on revient, attention les transitions. Ukrainienne. Oui, Mamadou, c'est passé, ça. Peut-être le quatrième but, il est là. Le quatrième but des Ukrainiens. Ior Korsun. Voilà. Et oh, les phases de contre de. Deux transitions. Très, très, très mal au bleu. Deux transitions et deux coups de pied arrêtés. Voilà. Mamadou, ah, c'était bien joué. Hein. C'était bien joué, Mamadou. Il temporise, il jette au sol pour le deuxième poteau. Mais après, voilà, super bien joué de la part des Ukrainiens. Le power play dans un match. Attention, pas prendre de risques. On n'a plus de gardien, on peut le voir, on n'a plus de gardien. Mais voilà, voilà le but de l'équipe de France. Magnifique, voilà, magnifique. Abdessamad qui vient au cœur du jeu. On décale là-bas, en une touche de balle sur le côté. Voilà, qu'est-ce et que c'est bien joué. Ronizaki. Magnifique, Mamadou, la passe au dessus. Attention, pas prendre de risques. Oh oui, la diagonale. C'est bien joué encore magnifique. Une fois magnifique. L'équipe de France qui revient parfaitement dans cette partie 4-3. Et le but de Sid Belhadj. Voilà, on trouve les diagonales, hein, les Ukrainiens qui ont vraiment du mal à défendre ce power play. On trouve les diagonales, voilà, on peut voir le décalage, regardez. Touré qui rejoue avec ouais. Mohamed, il peut se replacer. Super. Mohamed. Oui, but, magnifique. Et le magnifique, but du meilleur buteur magnifique. De l'histoire de l'équipe de France. Qui d'autre pouvait marquer ce but? Magnifique. Évidemment. Je sais pas si c'est Mamadou qui le met. Mamadou Touré qui. Alors voyons voir ralenti. Magnifique fin de frappe, il rentre dans l'axe. Ouais. Fini. Allez, c'est terminé. C'est terminé, voilà. 4-4. Un peu frustrant évidemment au vu du scénario de la partie. On a eu une multitude d'occasions des Français qui auraient peut-être pu décrocher cette victoire, mais en tout cas une deuxième période héroïque, hein, de nos bleus qui ont réussi à revenir. Il y avait 4-1 après les 20 premières minutes.